quel point te limites-tu dans ton imagination? Je m'étais pas rendu compte des blocages que je me mettais toute seule quand j'imaginais, quand je visualisais, jusqu'à ce que je teste l'exercice qui suit. Cet exercice est issu d'un post Reddit de 2021 de Edward Hart, qui est un Américain qui partage son interprétation et expérience de la loi de l'assomption. Pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs et complète super bien les enseignements de Neville Goddard. Si tu appliques cet exercice, tu te sentiras bien plus libre de visualiser, d'imaginer, de ressentir que tout ce que tu veux, c'est vrai et réel. Et surtout que ça t'appartient déjà. Peu importe ce que te dit le monde extérieur, la 3D. Je commence à traduire l'exercice maintenant. Je suis le créateur. Pour cette méditation, il est important que tu apprennes à lâcher prise, puis ressentir. Lâcher prise, puis ressentir. C'est ce qu'on va pratiquer ici. Je veux que tu t'allonges et que tu sois simplement confortable et détendu. Tu peux y penser comme le fait que tu n'as pas besoin de ton corps pour ça. Tu peux le relâcher. Je veux que tu fermes les yeux et que tu observes simplement l'obscurité. Ne fais rien pour l'instant, juste observe l'obscurité. Maintenant, je veux que tu fasses semblant que le monde extérieur n'existe plus. Que tout ce que tu as, c'est ta propre conscience et cette obscurité. Tu peux te répéter une phrase comme « Le monde extérieur n'existe plus. Je suis juste ici, maintenant. » Le monde extérieur n'existe plus. Je suis juste ici, maintenant. Et ça veut dire qu'il n'y a rien à obtenir, rien à atteindre, rien à prendre, rien à craindre. Parce que le monde extérieur n'existe plus. Le monde extérieur n'existe plus. Je suis juste ici, maintenant. Maintenant que tu commences à sentir qu'il n'y a que toi qui existe ici, tu peux commencer à te sentir en sécurité dans ton esprit, dans ton imagination. Commence à sentir que c'est chez toi, que tu es chez toi. Commence à te sentir entièrement en sécurité dans ton esprit. Ressens qu'il n'y a rien à craindre. Seulement les choses effrayantes que tu crées. Ressens que tu es un créateur dans l'esprit. Le créateur dans l'esprit. Mais simplement ressens-le. Ne raisonne pas avec ça, juste ressens-le. Et reste ici, dans l'obscurité. Répète une phrase comme « Il n'y a rien à craindre ici. Je peux avoir ce que je veux ici. » Il n'y a rien à craindre ici. Je peux avoir ce que je veux ici. Ici signifie simplement ton esprit, ton imagination. Et maintenant, tu devrais commencer à te sentir de plus en plus en sécurité. Tu peux vouloir craindre l'extérieur, tu peux vouloir impossiblement y réagir, mais n'oublie pas, il n'existe plus. Maintenant, ressens la possibilité de tout ce que tu peux être et avoir ici. S'il y avait juste ta conscience d'être et ton esprit, que ferais-tu? Que créerais-tu?
Que te donnerais-tu? S'il y avait juste toi ici, ne te sentirais-tu pas libre d'avoir ou de faire tout ce que tu veux? Maintenant que tu commences à sentir qu'il n'y a que toi ici et que tu es le Créateur, commence à te voir comme tu voudrais te voir. Commence à te sentir comme tu voudrais te sentir. Commence à voir ce que tu voudrais voir. Et écouter ce que tu voudrais entendre. Il n'y a pas de punition ici. Il n'y a que les punitions que tu crées. Tout est à toi ici. Le monde extérieur n'existe plus. On change notre monde intérieur. Maintenant que tu sens que seul toi existe ici, que c'est sécurisé ici, imagine obtenir tes désirs, que tu ne désires plus mais que tu as. Et ressens profondément que tu les as maintenant et qu'il n'y a aucune conséquence ou punition à les avoir. Tu es le Créateur. Tu es autorisé à t'accorder ce que tu désires ici. Tu es autorisé à te sentir épanoui ici. Laisse-toi envahir par le sentiment d'accomplissement, du désir manifesté. Réalise que tu crées tes limites et ta liberté ici, que tout est créé par toi-même. L'acceptation de ceci nous permet d'avancer au-delà de nos anciennes limites, en sachant que nous sommes le créateur de ces limitations à l'intérieur de nous-mêmes. Mais il n'y a pas d'autre créateur. Et à partir de là, nous n'avons pas besoin d'avoir peur d'avoir ce que nous voulons ici. On peut apprendre à accueillir et accepter. Alors, on pratique le fait de ne plus manquer de rien à l'intérieur de nous-mêmes. Mais on se le donne quand on sent qu'on est dans le manque. Le manque est une illusion et le désir est une illusion. On peut vivre épanoui. Le monde extérieur n'existe plus. Je suis juste ici maintenant. Et je suis juste ici pour changer mon monde intérieur. Prends un moment avec cette compréhension et apprends à accepter que tu as déjà ce que tu voulais auparavant. Tu crées le désir, tu crées le manque, tu crées aussi l'accomplissement. Nous apprenons maintenant à ne plus avoir peur à l'intérieur de nous-mêmes. Mais on réalise que c'est nous qui créons initialement la peur. Nous nous attribuons tout le mérite à nous-mêmes, à l'intérieur. Nous créons les deux. Acceptons cela et créons maintenant ce que nous souhaitons. Je te souhaite de bien imaginer et te sentir plus satisfait après cette méditation.